Let's go, pal. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la Playroom, ce nouvel épisode de Fallout 4, ce 99e épisode. Bon, chers amis, il est temps de s'y mettre. Alors je vous aurai sans doute une petite pause entre l'épisode 99 et l'épisode 100. Oui. Ce qui vous fera deux vidéos par jour au lieu de trois. C'est juste que je sais pas trop encore comment je vais gérer l'épisode 100. Je vous rappelle que dans le milieu de cet épisode, vous aurez un sondage pour voir ce que vous voulez faire. Donc il y aura peut-être 3 ou 4 jours où il y aura rien. Enfin, il y aura 2 vidéos au lieu de 3. Bon, ça, ce sera une petite... période. Encore une fois, voilà, au milieu de l'épisode, vous aurez un sondage. Je vous invite à y répondre. Moi, j'essaie de rivaliser d'ingéniosité pour pouvoir tout simplement vous offrir les meilleures idées possibles pour cet épisode 100. Et pour ça, je passe beaucoup de temps sur Nexus Mod Manager pour voir les différents modes qui en sortent. Mais bon, sans l'outil de développement des modes, pour l'instant, c'est assez restreint. Et quand je dis restreint, j'entends bien sûr par là beaucoup de modes basés sur le cul et les nudes modes. Donc allez vous faire foutre, hein. Mais bon, c'est comme ça. J'ai envie d'aller visiter. On a un bâtiment qu'on n'a pas visité à côté de l'institut. Et je suis curieux de voir ce que ça donne. On a même plusieurs bâtiments qu'on n'a pas visité de ce côté-là. Hop. Hop. Je vais juste... Parce que ça me dérange. J'ai l'impression de rien entendre. Pourtant, je suis bien à fond dans mon casque. Mon casque a quelques problèmes. Donc, je sais pas. J'espère que ça ne vient pas de mon... Hop. Voilà. Hop, j'espère que ce sera mieux comme ça, dites-le moi. Ah, c'est peut-être un petit peu fort. Ah merde, j'ai tiré une balle, j'ai l'impression d'avoir pété quelque chose. Ok. C'est joli par là, remarque, hein, moi j'aime bien. Voilà, laboratoire Cambridge Polymère. Ça m'intrigue. Faisons le tour du bâtiment. Si on peut-être trouver des gens. Hein. Ou des ghouls. Tout est relatif, hein. Alors. Ok, j'ai vraiment pas fait le bon tour, le bon sens pour trouver la porte. Hein. Ok, le voilà. Laboratoire Cambridge Polymère. Alors ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a pas de signe en tout cas de super mutant autour. Donc ça peut être une bonne chose en soi. Hein. On verra bien. Bonjour. Bienvenue au laboratoire Cambridge Polymère. Nous proposons des offres d'emploi dans le domaine de la recherche scientifique. Souhaitez-vous postuler? Bien sûr. D'accord, ça m'intéresse. Bien, alors commençons l'entretien. En raison d'importants besoins de personnel dans tous les domaines, nous avons simplifié le test d'embauche. D'accord. Question numéro 1. Avez-vous de l'expérience dans le domaine de la synthèse de polymères? Vous avez forcément besoin de moi. De toute façon, vous avez besoin de moi. Passons directement aux choses sérieuses. Calcul des résultats du test. J'ai le plaisir de vous proposer un poste de responsable des ventes. Une belle carrière dans la négociation de financement militaire vous attend. Souhaitez-vous suivre le parcours d'intégration avant de vous mettre au travail? Pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas. Excellent. Suivons-la, chers amis. Ouh! Pourquoi tu te fais chier? C'est de la merde, balance-moi tout ça. Oh! Trouvez un siège libre, nous allons commencer la présentation. Je t'en prie, vas-y. Les laboratoires Cambridge Polymer ont été fondés par un petit groupe d'étudiants diplômés très brillants. D'accord. John Elwood, Erika Woolham et Wilfried Bergman se sont rencontrés lorsqu'ils étaient au CIT. Cette diapositive les montre le jour de leur remise de diplôme. Leur recherche en polymère nucléostrictif et piézoélectrique ont attiré l'attention du colonel George Kemp à l'automne 2073. C'est au printemps 2074 que l'entreprise a vu le jour grâce à un don très généreux de l'initiative en faveur des projets de recherche expérimentale pour la défense. L'IFPRD. Les recherches effectuées ici ont entraîné la découverte de plusieurs composants utilisés dans le projet Liberty Prime, qui a permis la défense d'Anchorage. D'accord. L'entreprise jouit d'une collaboration étroite avec l'armée,
et accueille avec fierté votre intégration à son équipe de recherche. C'est gentil. Qui contribue à la construction d'un monde meilleur. Suivez-moi au laboratoire de recherche pour que vous puissiez vous mettre au travail. Des boissons gratuites sont à la disposition des employés. Veuillez étiqueter toute nourriture ou paquet de cigarettes que vous laissez dans la salle de pause. Comptez sur moi. Oh là, vous êtes à poil d'ailleurs, madame. Permettez que j'ouvre la porte. J'ai été embauché. Oui. Le rêve d'un grand nombre de jeunes à notre époque. Oh, bien aimable. Je vous en prie, avancez, madame. Oh, excusez-moi. Vous m'emmenez où, là, madame? Ah, je peux vous m'emmener aux toilettes, je comprenais pas. Ah bah, j'étais pas loin. Oh, pardon. Le personnel commercial dispose d'un costume complet dont le coût sera déduit de votre première commission. Parfait. Prenez le temps de vous mettre en tenue, puis suivez-moi dans la chambre de décontamination. Qu'est-ce que... Pourquoi pas? Eh, franchement, pourquoi pas? Je vais le faire. Pa-da-pa-pa-pa-pam. Pa-da-pa-pa-pa-pam. I want you. Bon, je suis pas hyper décontaminé, mais écoutez, sur le principe, considérons que sur... Le personnel de recherche vous accueillera de l'autre côté de la chambre de décontamination. Merci de votre attention et bienvenue dans l'équipe. Merci à vous. Du temps passé à... Veuillez entrer dans la chambre de décontamination. Je la sens pas, la chambre. Je dois vous informer que M. Elwood, notre directeur, a imposé des heures supplémentaires afin de rattraper le retard... La femme de ménage est un peu maniaque ici. Personne n'est autorisé à quitter les laboratoires tant que le projet de revêtement piézonucléique n'est pas terminé. Adressez-vous au chef de projet, le Dr. Elwood Woolham, pour toute assignation à des recherches. Démarrage de la séquence de décontamination. D'accord, donc c'est un piège. C'est véritablement un traquenard. D'accord. Décontamination terminée. Donc en fait, leur décontamination m'a contaminé. Vérification de contamination éventuelle. Contamination détectée. Démarrage de la séquence de décontamination. Ils vont me redécontaminer, voilà, d'accord. Qu'est-ce que... Terminal de décontamination éventuelle. Enfin, terminal de décontamination... Erreur système, d'accord. Donc on est coincé dans le bâtiment. Bah écoutez, ça me plaît cette histoire. On peut pas être tout seul, on a vu tout à l'heure un point de... d'ennemi. Donc autant la jouer sérieusement. Des ghouls? Oh non, pas aussi simple. Sont principalement au-dessus. Ok, applicateur de revêtement polymère. Examinez les réactifs chargés. Réactif gauche, réactif droit, isotope radioactif, ok. Vérifiez les paramètres de fabrication actuelle. Lancez le programme. Projet de revêtement. Début processus de. Réactif 1, hydrure de lithium. Réactif 2, or. 71-762. On a clairement pas le bon. J'ai jamais rien compris à tous ces machins. Réactif. Oh là là, non rien faire, ça va être encore sympa cette histoire. Échantillon d'isotope, d'accord. Donc là va y avoir de la recherche, chers amis. Oh putain. Ok, regardons. Projet de revêtement nucléostrictif. Ok. Thèse du projet. Si près du but... Alors, attendez. Thèse du projet. Correctement polymère d'or et d'hydrure de lithium à un corps piézoélectrique connu, le titano-zirconate de plomb, PZT. Il serait possible d'obtenir une conversion localisée des radiations ioniques en énergie électrique. Cette méthode de capture d'énergie compacte pourrait s'adapter aux armures assistées déjà utilisées par les forces armées des États-Unis. Pourquoi pas ?
Donc transformer les radiations en énergie électrique. Dissipation. Les premiers tests ont prouvé que notre méthode est viable. La capture d'énergie radioactive est 15 fois supérieure à celle des moteurs à fusion automobiles actuels. Malheureusement, nous avons encore des problèmes à régler. La stimulation ionique de l'or qui produit les électrons de capture créerait également une accumulation de pertes thermiques. D'un point de vue global, la chaleur n'est pas substantielle, mais en raison du module à faible cisaillement, la suspension aurique de nanotissage cède facilement en cas d'utilisation prolongée. Nous allons tenter de changer le dosage de l'or pour affiner les fibres du matériau. Agrandissement de la surface devrait permettre de dissiper l'énergie thermique, oui ça me semble logique, à la manière d'un puits de chaleur. Problème d'allongement en traction. Alors, le nouveau dosage a permis de dissiper la chaleur produite par la réaction. L'efficacité de la capture en a légèrement souffert, mais fait passer la durée de vie des matériaux statiques de quelques jours à plusieurs années. Bien que ce soit, de notre point de vue, une expérience réussie, les paramètres du projet exigent un revêtement souple pouvant être appliqués aux armures assistées. Nous avons visiblement sous-estimé l'allongement en traction produit par l'armure qui finit par déchirer le mince tissage aurique de la matière. Ça n'a pas plu au colonel Kemp, qui a menacé de mettre fin au financement si nous n'arrivons pas à fournir les résultats promis. Nous devons donc réétudier le tissage plus épais et trouver un autre moyen de résoudre le problème de dissipation thermique. Pris au piège. On est enfermé dans le labo depuis des jours et la tension commence à monter dangereusement. L'équipe est fracturée et désunie, ils ignorent tout ce qui se passe dehors et a commencé à chercher un moyen de s'échapper. Pendant que je dormais, ils ont réussi à faire un trou dans la partie la plus mince du mur intérieur de la chambre de décontamination, mais ils n'ont pas pu percer le mur extérieur, beaucoup plus résistant. J'ai entendu Will discuter avec certains des autres d'un angle d'approche plus oblique pour régler la situation, ce qui m'a fait penser au problème de dissipation thermique. C'est là que j'ai eu une idée. Si on change le dosage de manière à ce qu'ils produisent des nanotrous obliques plutôt que perpendiculaires à la surface, on pourra peut-être réfléchir à des particules radioactives les plus directes et ne capter que celles qui viennent heurter directement le matériau. On recueillerait moins d'énergie, mais ça pourrait résoudre les problèmes de dissipation de chaleur. Tom, Marie et moi avons rassemblé les échantillons nécessaires pour tenter l'expérience. Si près du but, on n'a pas réussi à rassembler les échantillons nécessaires pour tester le nouveau dosage. Will s'est enfermé dans l'un des laboratoires et a tenté d'infiltrer le réseau administratif. Quand on est allé prendre de l'uranium-238, dont on avait besoin dans les confinements d'isotopes, Il l'a refermé, piégeant Marie à l'intérieur. Il a dit qu'il allait trafiquer les systèmes de défense pour leur donner l'impression que les intrus ont pénétré dans le laboratoire. Ça débloquera la chambre de décontamination et contactivera les défenses automatisées qui nous identifieront comme des agresseurs. Il veut qu'on sorte en force, mais c'est du suicide. Il est le seul du laboratoire à avoir reçu une formation militaire. On n'a même pas d'armes dignes de ce nom. J'ai tenté de lui dire qu'on pouvait mener le projet à terme, qu'on avait la solution maintenant, mais qu'il refuse de l'entendre raison et ne croit pas que John sera de nous faire sortir. On réussira à démolir une partie des plafonds du C1, ce qui nous donnera bientôt accès au vide de comble, mais ça ne nous fera pas sortir, mais ça devrait nous permettre d'atteindre le labo où Will s'est barricadé. Ça ne me plaît pas, mais il faut bien qu'on tente quelque chose. Ok. Uranium 238. Déjà, faut qu'on en trouve. Ok. Une minute. Salut les filles. T'as entendu quelque chose? Wow, bonjour. Non, j'aimerais, hop, passer à une autre cible, s'il vous plaît. Ok, j'ai pas le choix. Hop. Et de deux. Chie dans le coup. C'est quoi un polymère d'abord? Un polymère, c'est un alliage. Tu as trouvé des trucs sympas? Alors de quoi exactement, hein? Tout est relatif. Si je me trompe pas, ouais, un polymère là-bas, c'est un alliage. Bloc notabi. Quelqu'un nous suit. Putain, mais vous allez bien. Raté. Ok, génial. Aïe, putain, mais goule, ça me saoule. Alors. Bon, je vais quand même regarder, chers amis. J'ai pas envie de vous dire de conneries, je reviens. Chers amis, donc, un polymère, c'est une substance. Substance composée de macromolécules, donc c'est bien ce que je pense quand je dis un alliage, c'est-à-dire que c'est plusieurs choses mises dans une seule entité, entre guillemets. Enfin, c'est comme ça que je le perçois, moi. Terminal de confinement d'isotope, d'accord, oui, c'est le fameux endroit où il a enfermé Mary. Hunter, bah putain, c'était simplement ça.
Alors, c'est pas Enter, ce serait peut-être plutôt Eager. Ça y est. Voilà. Voyage en vue détecté au niveau du confinement des auteurs radioactifs. Il est recommandé que le personnel évacue le site jusqu'à l'extinction de la commande de la porte de sécurité. On ouvre. Faites pas chier. Je veux ouvrir. Allez, hop. On va sûrement se faire attaquer plutôt deux fois qu'une, mais c'est pas grave. Ok, c'est bon. J'aime pas ça. J'aime on va pas se bouffer une quantité de rats complètement incroyable aussi, ça c'est certain. Là, y'a plus rien. Bien joué, les filles. Vous au moins vous êtes efficace. Oh, il y a un luminescent dans le tas. Attends. Ah putain, c'est de l'eau. Bah oui, je suis con. Qu'est-ce que. Kate? Kate, qu'est-ce qui t'arrive? Kate, bien joué! Bien joué, Kate, c'est bien ça. Ok. Uranium 238. Plus qu'à le trouver maintenant. Uranium 238. C'est bon, j'en ai. Apprenti chimiste, hein, putain. Vous croyez que parce que j'en porte sur moi, je vais forcément prendre des rads? Oui, je me prends des rads. Non, même pas. J'aurais cru. Ok. Faisons le tour du bâtiment quand même. Hein. Soyons des gens sérieux. Un fer à repasser. Oh, on pourrait en avoir besoin du fer à repasser. Non, je rigole. Je rigole, calmez-vous. Ok. Ok. Reste par terre. Ça vaudra mieux. Ok, 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 ok. Jeton de métro, pardon, je prends. Oh. Bah continue à bosser, mon pote, hein. Je prends juste à mon aura. Hein. Elle est belle cette aïe, dis donc. Ok, donc ils sont rentrés dans les combles. Ok, je comprends maintenant. Ok. On va essayer de visiter l'endroit comme il faut. Hein. Je veux pas me planter sur la quête en fait. Je suis sûr que ça va pouvoir apporter un putain de bonus. Et Marcus, il aime ça les bonus. Ok. D'accord, on est rentré là-dedans. Ok, terminal de commande de la porte. Ok, pourquoi pas. Ok, ça jusque-là, je comprends. Ouvrir la porte, pourquoi pas. Accès au verrou. C'est long, c'est long, c'est long. Parfait. Et donc, qu'est-ce qu'on avait d'autre là-dedans? Ah, oh, échantillon non identifié 611. D'accord. Terminal de Bergman. Alors, attendez. Confinement d'isotope. Laboratoire C5, ok. Système de défense du site. Commande d'usage, site compromis. Lancement de la procédure de commande. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, c'est pas grave, chambre de décontamination. C'est bloqué par les. Oui. T'as bien trouvé un autre moyen de vous enfuir du laboratoire. Oui, mais ça m'aide pas à avoir le polymère. Je suis désolé. Relais messagerie interne. Heure supplémentaire obligatoire, piratage administratif. D'accord, ok. Bon, bah ça c'est du. Mot de passe de confinement de radioactivité. Oui, pourquoi pas, vas-y, prends. Quoi?
J'ai froid à cause de toi. On nous suit ou quoi? Ça a réveillé des ghouls apparemment. Ah non, d'accord, je considère comme une cible. Par là, s'il te plaît. Quoi? Mais non, c'est pas ce que je voulais faire. Alors là, non. Non, 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 certainement pas, chers amis. Je vais pas me laisser. Ok. Non, non, là, je veux pas que ça se passe comme ça. Je veux absolument réussir et du coup pouvoir m'en sortir. Ok, je comprends. Je vais faire avec. Donc c'est là qu'il va y avoir le luminescent, non? Le luminescent, je l'ai buté. Je prends l'isotope. Je me soigne. Non, non, j'ai envie de faire les choses bien, moi, chers amis. C'est pas... Ouverture de la porte. Provided. Ça y est. Hop. Accès au verrou, elle est toujours longue à ouvrir, j'imagine. Il y a des pièges, faut que j'y pense. Ok, parfait, je l'ai fait. Apparemment, il y avait une mine dans le coin. Ah oui, mais elles n'apparaissent pas, elles apparaissent qu'une seule fois, les mines. Exact. Oh putain, il m'a foutu les boules. Oh putain. Nom de Dieu. Ok. Donc là, on ne touche à rien. Tout ça, je suis déjà au courant. Ça m'a lâché une arme? C'est l'arme qui est arrivée devant moi? Bizarre. Bizarre, bizarre. Ok. Hop. Un instant, chers amis. Je reviens. Re, chers amis. Alors, excusez-moi. Des envies humaines. Oh, un coffre. Hop. T'avais soif. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Pistolet moisi. Une cuillère. Donc, il y avait une cuillère. Oh mon Dieu, une cuillère ! Un petit cadre avec un chaton. Bon. Magazine d'économie brûlé, dommage, j'y ai cru. Je pense qu'on va refouiller partout histoire d'être sûr. Tiens, bah, on l'a même pas fouillé ce machin là, putain. 3111, d'accord. Dit. J'espère qu'il n'y aura pas besoin de composants qui viennent de l'extérieur, sinon je suis baisé. Sauf qu'il fallait rentrer, il y avait une quête qui nous disait de rentrer avec telle ou telle chose et je suis baisé. Putain, j'espère pas. C'est quoi ça? Tube électronique, ok, bah je prends, écoute. Hein. Ok, ici, normalement je l'ai déjà fait. Il n'y avait rien. On est d'accord. Oh putain. J'y vois que Pouic, hein. Je vais y arriver, vous transportez trop de choses sur vous. Bah écoute, je vais virer des choses. Ah oui, c'est vrai, c'est parce que je porte pas mon truc habituel. Je comprenais pas pourquoi je le portais pas en fait. Ok. Bric-à-brac. Considérons que c'est plutôt bon. Ouais. Hop. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a à l'heure actuelle? J'imagine que ça va être dans divers. Donc dans échantillons. Bah non, même pas. Dans soins? Non. Précabrac? Ah non plus. Munitions? Non. Bah si, ça devrait être là-dedans. Enfin, je pense. Rien qui apparaît là.
Enregistrement, non. Ah, c'est à échantillon, donc c'est tout en bas. Parce que c'est sur la lettre E et pas sur la lettre E. C'est débile. Allez voir. Je sens que c'est ça. Voilà. Alors, 11, 31, 7, 31, 11, 413, 600. 11. Ok, pourquoi pas. Faut surtout faut être sûr d'avoir tout, quoi. Oh putain, mais j'ai pu, comment j'ai pu passer à côté de ça? 65. Ok. Je pense que je vais refaire toutes les pièces une par une et que je vais regarder partout. Parce que là, vu quand je vois le nombre que j'ai pu louper... Maintenant, j'ai peur d'en avoir loupé aussi dans cette zone-là. La porte, je peux pas y aller. Cette zone-là, j'ai déjà faite complètement. Oh là là, j'en ai combien? De toute façon, on va aller voir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir le nombre de trucs qu'il y a là-dedans. L'emplacement. 1, 2... 3. Non? Il n'y a que 3? Donc il y a un truc qui va pas. Il y a un truc que j'ai du mal à comprendre. Ou une pièce que j'ai dû rater. Peut-être plutôt une pièce que j'ai dû rater parce que j'ai pas les infos si que j'aurais voulu pas avoir. Vite fait, on va commencer à briller. On va commencer à briller comme un luminescent. Ça peut être intéressant, tu sais. Bon, c'est pas grave. Je vais faire avec. Hop. Et il nous manque clairement des choses, à mon avis. Hein. Je sais pas pourquoi, j'ai un... Oui, il faut le dire, j'ai un très mauvais pressentiment. Non, cette pièce-là, je suis pratiquement sûr de l'avoir faite comme il faut. Enfin, c'est ce que je vais dire à chaque fois, tu me diras. L'autre pièce, par contre, j'ai plus de doutes. J'ai rien oublié là. Non, coca, c'est bon. Alors, revérifions tout. Putain. Alors, nous avons donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus l'uranium. Donc bon. Ce qu'il pourrait y en avoir là-dedans, dans le tunnel, ça m'étonne. Là par contre dans le tunnel c'est... Non. Non, y'a rien. Ok, donc là faut surtout pas tomber. C'est bon. Trop de talent. Est-ce que j'aurais raté un truc dans le tunnel? Non. Excusez-moi madame, auriez-vous le plaisir de descendre d'ici? C'est une zone interdite. Merci. Ok, bon. Bon. La F5. C'est pas le bon endroit, je me trompe. Ok, ici. Ce que j'aime bien avec les zombies, c'est le bruit qu'ils font quand on les écrabouille. Applicateur de polymère, de revêtement de polymère, d'accord, pourquoi pas. Nanana. Hydrure de lithium. ...1142. Processus d'extrusion du nanomaillage 1142. 1142, j'ai bien un truc là-dedans. Oh putain. Je sais pas, moi. En plus, il y a une espèce de micro-latence à la con. Qui fout bien les boules. Ok, uranium 238, ça c'est bon. J'ai les boules. Je reviens, je vais voir. Ok, donc apparemment faut identifier les échantillons. Hop. Examiner les réactifs chargés. Acide. Ah d'accord, donc hydrure de lithium, c'est bon là. Non, c'est pas ça qu'il fallait. Si, c'est ça. Maintenant il faut qu'on trouve l'or. Donc, acide chlorhydrique, c'est pas bon. On pourra le reposer tout à l'heure. J'en place un deuxième. Hop. Examiner les réactifs chargés. Or et gallium. D'accord.
Donc on a les deux réactifs qu'il nous fallait, hein, mais... Ah non, attends, deux secondes. Mais non, mais non. Ah, mais... Elle a des problèmes, cette fille. What? J'ai pas touché au bouton. Le personnage devient complètement fou, c'est pas grave. 65 et... 49. Ok. Une petite danse avant d'aller sur le PC. Tungstène et cobalt. Et donc on nous a dit... Dans l'ordre... Un, hydrure de lithium, deux, or. Donc, hydrure de lithium, deux, or. Yo! Lancer le programme de fabrication. Fabrication en cours. Oh! Mais c'est un plastron d'armure assistée! Ah! On va avoir une nouvelle armure, peut-être? Cool. Et ici, d'accord. Plastron piézo nucléique d'armure assistée. C'est quoi ce bordel? Parfait. Radiation exposure increase action point. Oh! Si je suis soumis à des radiations, ça augmentera la vitesse de récupération des points d'action. Oh, c'est intéressant ça. Par contre, je vais pas du tout avoir la place. Ah si. Terminer le projet de recherche. Ok. Bonjour. Molly? Je dois vous informer que Monsieur Elwood, notre directeur, a imposé des heures supplémentaires afin de rattraper le retard accumulé. Avez-vous terminé les recherches concernant le projet de revêtement piézo-nucléique? Mais bien sûr, c'est fait! Le prototype est terminé. Splendide, merci. Mode d'heures supplémentaires obligatoire annulé. Chambre de décontamination désactivée. Merci, liberté! Vous portez trop de choses sur vous. What? J'arrive. Bah au moins je vais être à ton rythme, hein. Par contre, j'ai bien peur que ton directeur soit l'homme en rouge sur ma map. Je suis désolé hein, d'avoir à te le dire comme ça, mais... Pipili, pili, 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 pi. Pipili, pi, 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 pi. Pili, pili. Non, c'est pas la fête? Je croyais, excusez-moi. Hop, je te rattrape, hein. Fais gaffe! Fais gaffe! Alors? Voici le bureau de Monsieur Elwood, notre directeur. Je pense qu'il a hâte de voir le prototype. Je suis pas tout à fait sûr. Vu le point rouge que je viens de voir... Je vais t'arracher les bras! C'est presque trop facile. Oh, pardon. J'ai une excellente nouvelle. Le projet de blindage nucléostrictif a enfin produit un prototype fonctionnel. Je m'excuse au nom du directeur. Il n'est plus lui-même en ce moment. Ce doit être la grippe qui sévit au bureau. Le registre du personnel indique que j'ai l'autorisation de vous remettre une prime de persévérance. Oh. Voici votre prime. Déduction. Ouais. Ça c'est bon ça. Des bénéfices. Malheureusement, notre manque de projet nous oblige à licencier les employés occupant des postes redondants. La qualité d'accord. De votre travail n'est pas en cause. Et je suis viré. Nous nous ferons ok. Un plaisir de vous servir de référence si vous le souhaitez. Arrêt en cours. Quoi? Et suicide. Boum. Oh la gueule, la fin. Je m'attendais pas à ça. Terminal du directeur, allons voir. Oh la pauvre, non. Chambre, relais de messages internes, journaux personnels. D'accord, ok, non, pas la peine. Ça ne m'intéresse pas. Ma chère Kate, viens par là, s'il te plaît. Viens ramasser la boîte de conserve. Oh, Kate. Échange. Qui est à toi et à moi? Pas vrai, Trésor? Je sais pas si je te préfère comme ça, en fait. Tiens, dans mon bric-à-brac, j'ai une tonne de choses que tu vas pouvoir prendre. Merci. J'aurais dû trier pour mettre les choses les plus lourdes d'abord. J'ai été stupide. Ah non, je crois qu'il y avait un enregistrement.
Bon, bah, progressons, hein, essayons de visiter un maximum la zone. Ah, ça me fait chier pour Molly. J'aurais bien aimé la ramener à la maison. Maman, on peut la garder. Oui, mon trésor. Ouais, c'est la fête. Dementat, bande de drogués. Machine à écrire, je prends, j'en ai besoin apparemment. Donc, ah bla, le téléphone, c'était le téléphone de trop. Bla, mais tu vas te calmer. Voilà, merci. C'est bon. Kate. Hey, par ici. C'est parti. Alors, si vous pouvez juste de faire le... Oh, putain. Kate Hey. Non mais oh, il est con. Alors, est-ce que je peux... Oui, bon, je vais tout prendre. C'est pas grave, je vais reprendre tout ce que j'avais là. Je vais lui laisser que le... Que le lourd, en fait. Ah oui, d'accord, ça revient au même, en fait. J'espère. Pratiquement. Ok. Y'a rien par là, non. Bon bah écoutez, on redescend. Ok. Ça c'est les chiottes. On va remettre notre veste, hein, c'est pas grave, hein. Merci. Hop. Bon bah c'était sympa cet endroit. C'était inattendu. C'est même extrêmement inattendu. Eh bien écoutez, pour ce 99e épisode, on va se laisser là. On va rentrer directement à Sanctuary. Moi, je vais faire une petite pause dans Fallout. C'est pas vraiment une pause que j'ai envie de faire, mais bon, ça me permet d'être sûr de pouvoir faire au mieux au niveau du choix de ce que je vais faire dans l'épisode 100. Donc voilà. Et je vous surprendrai, en tout cas j'essaierai de vous surprendre. Quand cet épisode 100 sortira. Donc je ne sais pas quelle durée il aura, ce sera pas un épisode entre guillemets à la Lennon, hein. Je pense pas qu'il durera 4 heures, hein, malheureusement parce que j'ai pas une connexion suffisante pour ça. Ou alors faudra être patient pour l'avoir cet épisode, faudra peut-être attendre une semaine, le temps que j'ai le temps de l'uploader en fait, sur tout ça. Alors, hop, on rentre à Sanctuary, et on va se laisser les amis, donc écoutez encore une fois, merci d'avoir regardé ce 99e épisode, n'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam, répondre au sondage, donc vous avez normalement pu voir en plein milieu de cette vidéo, normalement plus ou moins dans le milieu de la vidéo, donc ça apparaît avec un petit i en haut à droite de votre écran, hein. Pour les mobiles, je sais pas trop comment ça apparaît, hein. Je suis désolé, j'ai pas encore trop regardé mes propres vidéos déjà de base. Donc encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que cet épisode vous aura plu, hein. Il était quand même assez particulier, je m'attendais pas, c'était vraiment assez... C'était vraiment génial à vrai dire. C'était vraiment vraiment génial à faire. Kate. Hey. Qu'est-ce que tu... Changer. Je donnerai des munitions à Kate aussi. Parce que là quand je vois ce qu'elle a, elle me fait un peu pitié. Ok, pourquoi pas. Donc voilà les amis, encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures, chers amis, et hop les...